louons ensemble Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amani ya Bwana iwe pamoja nasi. Je crois que notre presse a trouvé solution à notre problème hier. Na zania wa technicien wetu wanapata jibu kwa matatizo tulikuwa nayo jana. Parce que hier on réclamait que dans les fonds on ne me saisissait pas bien. Kwa sababu jana wale walikuwa kule nyuma kule mwisho walisema walikuwa na hawakuwa nasikia mzuri. Je peux me rassurer que cette fois-ci vous me saisissez correctement. Naweza kuwa na hakikisho ya kwamba sasa mnanipata mzuri. Asante. Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Avant qu'on aille loin, mbele ya sisi kuendelea, nous voulons corriger quelque chose. Tunapenda kutengeneza kitu moja. Dans le point 2. Munukta ya pili. Les vérités fondamentales. Maukweli ya msingi. Point 2. Nukta ya pili. Les enfants peuvent être pour les parents deux sortes de sources. Watoto wanaweza kuwa chemchemu ya aina mbili kwa wazazi. Et vers la fin, nous avons cité Proverbe chapitre 23. Na mwishoe tulisoma Zabu Mezali makumi mbili na tatu. Nous vous avons dit que c'était verset 13 et pourtant c'est le verset 15. Tulisema mstari wa 13 lakini ni mstari wa 15. Heureusement, il y a de bons chrétiens qui sont allés fouiller et qui ont trouvé que nous étions à côté. Kuna kuwa wa Kristo wale walirudia nyumbani na kusoma na kuona ya kwamba tulikotola kidogo. Et ils nous ont signalé très vite qu'il s'agissait du verset 15 et non pas du verset 13. Na walituambia ni mstari wake ya 15 kuliko mstari wa 15. Nous avons corrigé. Tunatengeneza. Asante. Nous pouvons maintenant continuer. Tunaweza kuendelesha. Petite récapitulation. Turudie kwanza kidogo ya jana. Nous avons parlé de cette vérité fondamentale. Tulisungumuzia juu ya maukweli saba ya msingi. Dans lesquelles nous avons trié d'abord quatre. Jana tulichukua ine ya kwanza. Pelons-nous rapidement. Tuikumbuke kwa haraka. Première vérité fondamentale. Ukweli ya msingi ya kwanza. Qui peut parler? Nani anaweza kusema? Première vérité fondamentale. Ukweli ya msingi ya kwanza. C'est-à-dire quoi? Non, pas d'abord ici, de l'autre côté. Baimbaji hapana. Je sais que vous connaissez, mais vous avez peur de vous lever. Mina jua ya kwamba munajua jibu lakini munashikwa na oui, oga. Première vérité fondamentale. Ndiyo ndugu, kweli ya msingi ya kwanza. Oui. Oui. Yeah. Bravo. Deuxième vérité fondamentale. Ukweli ya pili ya msingi. Qui peut oser? Nani anaweza kuleta jibu? Oui. Ndiyo. Oui. 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 Tout ça. Quelle source, quelle source? Quelle source, quelle source? Première source, les enfants peuvent être deux sources. Watoto wanaweza kuwa chemchemu ya aina mbili. Oui, première source, oui. Chemchemu ya kwanza. Oh là là, là, tenez le micro. Mumsaidie na kibui maana c'est un louveteau qui s'élève. Et là, c'est un défi pour tous les doyens. Donnez le micro au louveteau. Mumlete kibui mtoto. Oui, daddy. Le micro traîne. Ça donne? Oui, tu approches. Oui. Source de bonheur. Pour source de bonheur. Et source de malheur. Source de malheur. Bravo. Naweza kumpongeza. Ça c'est le codime qui nous prouve que il ne blague pas de l'autre côté.
Ini ekodimi natuambia kwamba kule ngambo banachapa kazi vile nafai. Troisième vérité fondamentale. Ukweli ya msingi ya tatu. Qui peut oser? Nani anaweza kuleta jibu? Troisième vérité fondamentale, essayez. Ukweli ya msingi oui, ya tatu là-bas. Ndiyo. Est-ce que j'ai saisi? Je n'ai rien saisi. Tout à fait. Tout à fait. Les parents doivent savoir, donnez-lui le micro, parce que c'est une révision, il y a des personnes qui n'étaient pas là. Oui. Les parents doivent savoir. Les parents doivent savoir que réussir dans la vie professionnelle ou spirituelle ne suffit pas. Tout à fait. Réussir dans la vie professionnelle et dans la vie ministérielle, ce n'est pas suffisant. Kuweza mukazi ya mikono au mubutumishi aitoshe. Et enfin, quatrième vérité fondamentale. Na ya mwisho ukweli ya ine ya msingi. Oui, de ce côté. Ukungambo. Est-ce que le micro peut courir vite? Soyez souple. Il est là. Vous qui n'étiez pas là, c'est pour vous que nous faisons ces choses. Nini ambaye mulikosa jana, tunarudilia. C'est pour que vous soyez branchés comme les autres. Ili na mwe mupate kuwa mukimu moja na wengine. La quatrième vérité fondamentale est que aucun parent n'est à l'abri de l'échec de ses enfants. Tout à fait. Hakuna mzazi anaweza kusema mie niko na chanjo batoto yangu abatakuyaka babaya. Aucun parent. Hakuna mzazi hata moja. N'est immunisé. Ula naweza kuwa mie banesha ni na vaccin. Contre ses échecs. Ya kwamba batoto yangu bataweza kabote. Ne dise. Kusikuwa tamo ya naweza kusema. Moi ça ne m'arrivera pas. Mie ile mambo hayawezi kunifikia. Ce qui est arrivé à David. Ili mufikia Daudi. Ce qui est arrivé à Samuel. Ili mufikia Samueli. Peut arriver aussi. Inaweza kufikia tena. Le problème c'est que nous ne savons pas quand. Mambo ni atujue itafika wakati gani. Et nous ne savons pas comment. Na atujue itafika namna gani. Dans la suite de notre exposé. Mukuendelea kwa mafundisho. Nous allons citer des cas concrets. Tutaleta mifano ya kuonekana. Qui m'ont beaucoup étonné. Ile ambayo ilinishutusha. Des enfants qui ont grandi dans la maison de Dieu. Batoto barikomea mu nyumba ya Mungu. Des enfants qui ont grandi à l'Ekodim. Barikomea ku masomo ya Jumapili. Des enfants qui sont devenus moniteurs. Nao bengine balikuwa balimu. Qui ont complètement abandonné la foi. Lakini mwisho baliacha imani. Qui sont allés à l'encontre de tout ce qu'ils ont appris de chez leurs parents. Balienda kinyume ya mafundisho ya wazazi. Il vient à tout le monde. Inaweza kufikia kila mmoja. Et là l'apôtre Paul nous a prévenu. Na pale mtume Paulo alituambia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. Mwa Korinto wa kwanza sura yake ya 10. Verset 11 jusqu'à 12. J'ai noté hier. Mstari wa 11 mpaka 12 tuliandika jana. L'apôtre Paul nous dit ceci. Anasema ifuatayo. Car maana ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Imaneno iliwafikia ili tupate kuwa na mifano. Ils ont été écrites pour notre instruction. Bali tuandikia sisi. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Sisi ambayo tukunaisha mwakati ya mwisho. Ainsi donc. Na hapo. Que celui qui croit être debout. Ula nazani eko mwenye kushimama. Prenne garde de tomber. Akebe ange asianguke. Chers parents. Eni wazazi. Les anciens parents. Bazazi bazamani. Les nouveaux parents. Ao bazazi basasa. Nous devons être attentifs. Tunapasha kuwa waangalizi. Devons faire attention. Tunapasha kukeba ange. Tout peut arriver. Yote naweza kutufikia. Musijisifie. Ne négligez pas ces avertissements. Musibeula makuzarau hiyo mafundisho. Si aujourd'hui nous décrions les enfants des autres. Kama leo tunaweza kusema batoto wa bengine abana bazuri. Kesho naweza kuwa batoto yako. Prenons au sérieux enseignement. Ima fundisho tuibebe na bei sana. Amen. Amina. Que le Seigneur soit avec nous. Amani ya Bwana iwe pamoja nasi. Nous devons continuer. Tunapasha kuendelea. Parce que hier nous n'avons parlé que de quatre vérités. Jana tulisungumuzia ma ukweli ine
ya msingi. Nous continuons la liste. Tunaendelea. Je peux me rassurer qu'au fond, c'est tout bien. Micro iko natoka mzuri au hapana? Au fond, ça marche. Cool. Est-ce que ça marche maintenant? La technologie nous complique. Mtu erazi, teknolojia inatuzuiza kidogo. Amen. Amina. Là, ça marche. Hapa iko sawa. Très bien. Asante. Amen. Amina. Nous continuons notre liste. Tunaendelea na daftari yetu. Cinquième vérité fondamentale. Ukweli ya tano ya msingi. Échouer avec ses enfants. Kushindwa kufundisha mzuri watoto. N'est pas une fatalité. Aina maneno ya mshangao. Je vais diluer un peu mon vocabulaire. Minapenda nipunguze usemi wangu. Échouer avec ses enfants. Kushindwa mukufundisha batoto. Je dis bien, ce n'est pas une fatalité. Nasema aina maneno ya mshangao. Nous pouvons éviter ça. Tunaweza kuiepuka. Nous pouvons contrôler ça. Tunaweza kuiangalia. Si nous suivons attentivement cet enseignement. Wakati tunafuata mafundisho vile nafai. Il est possible de faire du très bon travail. Inawezekana kufanya kazi mzuri. Parce que dans la parole de Dieu. Kwa sababu ndani ya neno la Mungu. Nous trouvons des parents qui ont échoué. Tunakuta bazazi balishindwa. Nous y trouvons aussi des parents qui ont réussi. Tunakuta bazazi bengine baliweza. Et d'ailleurs brillamment. Na baliweza mzuri sana. Donc c'est possible. Maana yake inawezekana. Bien éduquer ses enfants. Kufundisha batoto vile nafai. C'est possible de réussir l'éducation de ses enfants. Na kuweza kuadibisha watoto. Cinquième vérité fondamentale. Ukweli ya tano ya msingi. Échouer avec ses enfants n'est pas une fatalité. Kushindwa kufundisha batoto. Haina sema bantu boto napasha paka kufikia kule. Je répète. Narudilia il motema. Est donc possible de réussir et même brillamment avec ses enfants. Inawezekana uweze kufundisha na kuadibisha batoto vile nafai. Acte chapitre 21 verset 8 à 9. Matendo ya mitume makumi mbili na moja msari wa mnane mpaka wa tisa. Acte chapitre 21 verset 8 à 9. Matendo ya mitume makumi mbili na moja mnane mpaka voici tisa. Voici ce que dit la parole de Dieu. Neno ya Bwana inatangaza ifatayo. Amen. Amina. Nous partîmes le lendemain. Asubuhi yake tuliondoka. Et nous arrivâmes à Césarée. Tukafika Kaisaria. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Tukaingia katika nyumba ya Filipo mhubiri wa habari njema. Qui était l'un de sept. Alikuwa mmoja ya wale saba. Nous logeâmes chez lui. Tukakaa kwake. Écoutez ce qui suit. Sikieni mstari wa tisa. Il avait quatre filles vierges et qui prophétisaient. Mutu huyu alikuwa na binti wane walikuwa wakitabiri. Amen. Amina. Celui qui écrit. Ula naandika. Moi je me demande. Nakuwa najiuliza. Est-ce que c'était important? Eti ilikuwa ya mafaa. Qu'il insiste sur ça. Akazishe pa hii maneno. Nous arrivâmes. Tukafika. Nous logeâmes. Tukahubiri. Nous sommes chez Philippe. Tunafika kwa Filipo. Mais il constate quelque chose. Lakini anaangalia maneno. Qui ne voudrait pas sauter dans ses écrits. Asikupende aitoshe nje. Il constate que les filles de Philippe. Anaangalia wabinti wa Filipo. Toutes les quatre. Wao wote waine. Sont vierges. Walikuwa mabikira. Et sont prophétesses. Na walikuwa weko na tabiri. Amen. Amina. Vous savez, l'éducation de nos enfants. Madibisho ya watoto. Lorsqu'elle est bien faite. Wakati unaifanya mzuri. Ça ne demande pas beaucoup pour qu'on s'en perçoive. Ailombake kujipana sana njuu bantu bengine bayone. Il suffit d'arriver dans la maison de quelqu'un. Wakati unaingia munyumba ya mutu. Même si vous ne connaissez pas les noms des enfants. Ata kama uwe nchina ya batoto. Juste leur manière de vous accueillir. Namna yabo ya kukupokelea. Leur manière de vous saluer. Ya kukukaribisha na kukusalimia. Ça vous dit tout. Inatosha. Alléluia.
Alléluia. Savez-vous qu'il y a même des visages munajua kuko na mauso ingine qui en le regardant juste pour la première fois wakati tunaangalia mara ya kwanza vous déduisez que c'est un chrétien. Unaona sa huyu ni mkristo. Amen. Amina. Il y a d'autres visages. Lakini kuko mauso ingine. Des yeux. Mecho ingine. Le visage seulement. Mutu tu anakuangalia. Dès qu'on te regarde. Wakati banakuangalia. Vite que tu es démoniaque. Banasema huyu yuko na mapepo. Même sans parler. Hata kama uyasema kitu. Ta façon de regarder. Namna yako ya kuangalia. Montre que tu es mal éduqué. Inaonesha ya kwamba uliadibishwa mbaya. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bwana asifiwe. Cet homme uyu mutu Philippe, Filippo a réussi l'éducation de ses enfants. Aliweza kufundisha batoto yake mzuri. Selma elles sont vierges. Wao walikuwa wabikira. Mais aussi elles sont prophétesses. Na tena walikuwa nabii. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Entrons dans l'Ancien Testament. Turudie mwagano la kale. Deux Rois chapitre 22. Wafalme wa pili mstari sura yake ya 22. Nous lisons le verset 1 et le verset 2. Tusome mstari wa kwanza na wa pili. Deux Rois. Wafalme wa pili. Chapitre 22 verset 1 à 2. Je fais la lecture. Nafanya usomi. Josias avait 8 ans. Yoshua alikuwa na miaka 8. Lorsqu'il devint roi. Wakati alikuwa mfalme. Et il régna 31 ans sur à Jérusalem. Alitawala miaka 31 katika Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida. Mama yake aliitwa Jedida. Fille de Adaja. Binti wa Adaja. De Boskat. Wa Bozikati. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Akafanya yaliyo mema mbele ya macho ya Bwana. Il marcha dans toute la voie de David son père. Akakwenda katika njia yote ya Daudi baba yake. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Wala akugeuka upande wa kuume wala ya kushoto. Ça c'était roi. Uyo ni mfalme. Mais quand vous lisez les chroniques de roi. Wakati unasoma mambo ya siku ya wafalme de Samuel, na kitabu ya Samueli wa pili. Lorsque vous lisez le 1 et 2 rois. Wakati unasoma kitabu ya wafalme wa kwanza na pili. Il y a toujours des rois dont on dit. Kuna wafalme wale wanasema. Il fit ce qui déplut aux yeux de l'Éternel. Walifanya ile kumpendeze Bwana. Et dans la suite l'Éternel a toujours réagi violemment. Na wakati ya kuendelea Bwana alikuwa kujibia na makali. Lorsqu'on parle de Josias, lakini maneno ya Yosia, on dit qu'il fit ce qui est droit. Biblia inasema alifanya ile inastahili. Ce qui m'intéresse ici, ile nakokota mawazo yangu. Ne s'arrête pas de parler de son comportement. Abashimamie kusema juu ya mwenendo wake. On parle de la référence. Banasema njuu ya kionyesho. La source, il vient d'où? Kielelezo chemchemo anatokea wapi? Ba mama alléluia. Wa mama alléluia. Le mama alléluia. Wa mama alléluia. Lisez les écritures. Musome maandiko. La Bible dit. Biblia inasema. Il a régné. Alitawala. Il est arrivé à tel âge. Alitawala na miaka fulani. La Bible nomme pas. Biblia haitoshe. Le fait que c'est Josias a une mère. Ya aitoshe maneno ya kusema Yosia eko na mama. Constatez qu'on ne parle pas même de son père. Kama mnasoma mzuri baba yake abamtaye. Il a fait ce qui est bien. Banasema anafanya mema. Il a marché dans la droiture. Anatembea mukamilifu. La Bible insiste vite. Biblia inakazisha kwa haraka. Sa mama s'appelait Jedida. Mama yake aliitwa Jedida. On signale même le père de cette femme. Na bana julisha baba yake ya huyu mama. Presque tous les rois. Wafalme wote wengine. Lorsqu'on parle de leur comportement. Wakati wanasema njuu ya tabia ya. On ne parle pas de souligner qui était leur mère. Abasabu kusema mama yake ni nani. Ça n'a pas été écrit pour rien. Aba kuandike ile kwa bure. Ça veut dire en d'autres termes. Maana yake. S'il s'est bien comporté. Kama alijiongoza mzuri. La question est à poser à sa maman. Mambo ni kumuliza mama yake. C'est sa maman qui a bien travaillé. Mama yake alifanya kazi vile na sahihi. Où sont les mamans? Ba mama beko wapi? Chika de roi. Bale beko nafundisha wafalme. Qui forme des princes. Beko na adibisha watoto ya wafalme. Qui éduque des présidents. Wanafundisha maraisi. Qui éduque des gouverneurs. Wanafundisha maliwali. Où sont-elles? Wa mama wale weko wapi?
Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bwana asifiwe. Sa maman, la maman de Josias, mama yake ya Yosia, a fait du bon travail. Alifanya kazi mzuri. Elle s'appelait Jedida. Jina yake likuwa Jedida. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bwana asifiwe. Moi, je m'étonne. Mi na changaisho. Connais des parents. Tukuna bazazi. Surtout des jeunes parents. Bazazi bakingariki babiana. Vous qui vous mariez. Nini ambaye muko na wao? Vous avez des enfants. Muko na batoto. Mais souvent quand nous arrivons chez vous. Wakati tunafika kunyumba. Nous sommes déroutés. Sisi basi tunapotea. Des enfants. Batoto. Impolis. Beko ba banakosa adabu. Vous entendez maman dire? Ah, en tout cas, c'est encore un bébé. Lorsqu'il va grandir, il va comprendre. Ni mutoto, tu es una fatirisha bengira kikome atabiacha. La Bible montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Biblia inasema umoneshe mtoto njia ya kufuata. Bala kingariki mtoto kidogo. Wakati atakomea asaenda pembeni. L'enfant mtoto forme sa personnalité. Anakuwa natunga umbile wake. De 0 à 3 ans. Kutoka miaka 0 mpaka 3. Ile ni masomo ya mtu. N'oubliez pas que je suis un pédagogue. Musisahau ya kwamba nilijifunza masomo ya kufundisha. La psychologie nous dit. Mafundisho ya elimu namna mtu anatumika. La personnalité d'un enfant. Tabia ya mtoto. Se forme de 0 à 3 ans. Inafanika mzuri mu miaka 0 mpaka 3. C'est à cette période. Ni muile wakati. Il faut lui donner des grands principes de vie. Unapasha kumuletea makanuni kubwa ya maisha. Ton bébé doit savoir. Bébé wako anapasha kujua. Qu'on ne monte pas sur la table très tôt. Abapandake pa meza. Alléluia. Alléluia. Et vous savez des bébés qui galopent comme des cabris. Mais là, mon gars, les bébés, quand on appande, on a que télévision, on appande. Ah, merci. C'est ça que je voulais dire. Ils sortent d'une télévision. Ni kuluka. Et puis, quand vous êtes les visiteurs viennent. Na wakati bageni banakuya. C'est à ce moment-là qu'ils voudraient faire voir qu'est-ce qu'ils connaissent. Njoo pale sasa napenda kubonesha vile yeye ni mwenye film. Il commence à culbuter dans tous les salons. Ni kutoka pa bichi ni kutambuka na ba visiteurs benye kubaluka. Mais sa maman dit. Maman a dit qu'on a checké tout. C'est un bébé. Asa mutoto na kala courage. Va grandir. Wakati atakomea. Va comprendre. Ataelewa. Tu es malade maman. Uko mgonjwa mama. C'est toi qui formes des mauvais parlementaires. Wejo huko na fundisha ule tanza kulukaluka na kuleta fujo kwenye bunge. Alléluia. Alléluia. Nous avons au parlement. Kwenye bunge kubarasa ya wabunge. Des personnes compliquées. Tukunabantu. Il suffit que quelque chose ne marche pas à l'hémicycle. Kama tu kintu kimova nasema tu kwa président wa assemblée kile akimfurahishe. Ils sont en cravate mais ils montent sur la table. Iko na cravate mais anapanda pa meza. Anaanza kupiga. Et il croit que nous tous qui suivons. Na iko naona sasa wewe tunaangalia au télévision. Nous sommes contents. Tunashikia furaha. Reviens, on ne va plus te voter. Rudia huko tutakuvote tena. Alléluia. Alléluia. Et là qui a mal travaillé? Sasa pale ni nani wankosa? Sa maman. Mama yake. Sa maman a mal travaillé. Mama yake asikufanye kazi vile inafaa. Formons des parlementaires sérieux. Tufundishe wabunge wazuri. Président sérieux. Tufundishe wa rais wazuri. Ministres sérieux. Tufundishe waziri wazuri. Roi sérieux. Tufundishe wafalme bakweneana. Ça commence très tôt. Inanzaka ni kubutoto. Amen. Amen. Ton enfant doit savoir quoi? Mutoto yako anapasha kuyua. Ce pot de fleurs on ne touche pas. Asema ipo ya fleur abaibambake ni ya mapambo ibakie pale. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bwana abarikiwe. Josias. Yosia a fait ce qui est droit. Alifanya ile ilikuwa mema. J'ai lu encore la parole de Dieu. Nasoma tena neno la Bwana. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 20. Mambo ya siku sura ya 12 chapitre 20 verset 31 et 32. Mstari wake wa 31 mpaka 32. De Chronique 20 Mambo ya siku ya pili sura ya 12. 30 qu'est-ce que je dis 31 à 32 c'est ça? Oui. 31 à 32. Makumi nous allons lire aussi 35 à 37. Na tutasoma tena 35 mpaka 37. Voici ce que dit la parole de Dieu. Neno ya Mungu inasema hivi. Josaphat régna sur Juda. Yosafati akatawala juu ya Yuda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi.
Alikuwa na miaka makumi tatu na mitano wakati alikuwa mfalme. Et il régna 25 ans à Jérusalem. Na alitawala miaka makumi mbili na mitano ku Yerusalema. Écoutez encore. Sikieni. Sa mère s'appelait Azuba. Jina ya mama yake ilikuwa Azuba. Fille de Chichi. Binti ya Silihi. Il marcha dans la voie de son père. Akaendelea katika njia ya baba yake. Et son père s'appelait Asa. Jina ya baba yake ni Asa. Et ne s'en détourna point. Na asikuende inje ya hiyo njia. Faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alifanya mema katika macho ya Bwana. Je saute. Na luka. Malheureusement, très très cher frères et sœurs. Kwa ole. Cet homme qui a commencé comme ça. Huyu mutu alianza muzuri. Yosafati a bien commencé. Yosafati alianza muzuri. Écoutez la suite. Sikieni ile naendelea. Amen. Amina. Nous lisons de 35e jusqu'au 37e verset. Mstari wa makumi tatu na tano. Après cela. Nyuma ya maneno haya. Yosafati roi de Juda. Yosafati mfalme wa Yuda. S'associa avec le roi d'Israël Akazia. Akapatana na mfalme wa Israeli Ahazia. Dont la conduite était impie. Yeye alikuwa na mwenendo mbaya zaidi. Il s'associa avec lui. Akapatana naye. Pour construire des navires. Kufanya merikebu. Destiné à aller à Tarsis. Na kuendelea Tarasisi. Et il firent des navires à Ethion. Wakafanya merikebu zile kule Ezini Geberi. Alors Eliezer. Alafu Eliezari. Fils de Dodava. Mwana wa Dodawa. De Maret. Wa Maresa. Prophétisa contre Josaphat et il dit. Akatoa unabii juu ya Yosafati akasema. Parce que tu t'es associé avec Akazia. Kwa sababu umepatana na Ahazia. L'Éternel détruit ton œuvre. Bwana amevunja kazi zako. Et les navires. Merekebu. Furent brisés. Zikavunjika. Et ne pure aller à Tarsis. Na aikufike ku Tarsisi. Il commence bien. Alianza mzuri. Il a suivi la voie de son père. Anafuata njia ya baba yake. Il est sur la bonne voie. Eko kwenye njia mzuri. Mais voilà qu'il s'associe avec une personne. Sasa siku moya tu abebe rafiki moya. Impi. Mubaya sana. Un roi impi. Mufalme wa tabia mubaya. Ça a tristé Dieu. Mungu akahuzunika. Je n'étais pas content. Mungu asikufurahi. Tu as bien commencé. Ulianza mzuri. Mais comment tu vas t'associer avec ce roi? Sasa je utafanya burafiki na huu mfalme? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Très chers parents. Eni wazazi. Très chers jeunes. Eni vijana. Écoutez-moi bien. Munisikie mzuri. Vous pouvez avoir une vraie foi. Unaweza kuwa na imani ya biakweri. La vraie marche chrétienne, vous l'avez. Na huku natembea mzuri kama mkristo. Votre manière de créer les associations. Sasa namna yako ya kukokotea barafiki. Ne peut même pas être l'affaire que vous faites. Mambo haina kazi ulo kunafanya. C'est la personne avec qui tu t'associes. Ni mtu ulo napenda kutumika naye. La mauvaise compagnie corrompe les bonnes mœurs. Bantu babaya beko na arabisha tabia mzuri. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Dieu n'est pas contre les navires. Mungu asikukua mbaya anasirikia merekebu. Je suis très convaincu que le roi avait besoin d'argent. Mimi nahakikishwa kwamba mfalme alitajia pesa. Les navires sont là pour faire le commerce. Merekebu limusaidia fanye biashara. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Sasa mubaya alifanya nini? S'associer en affaire avec une personne que Dieu rejette. Akabebe rafiki ule mtu anakatala nesha kutupa. Très chers amis. Eni marafiki. Veillez à vos associations. Angalia ni nani kuna tembea naye. Veillez à qui vos enfants s'associent. Angalia rafiki wa mtoto wako ni nani. Un parent ne peut pas regarder béant. Muzazi hawezi kuangalia na anakaa kimya. Un enfant qui importe les amis. Mtoto eko naleta barafiki. Que même les parents ne connaissent pas. Muzazi asijue barafiki ya mtoto yake. Que même les garçons arrivent avec des filles. Kesho mtoto wake mwanaume analeta batoto mwanamke. Après demain une autre série de filles. Kesho yake batoto wengine mwanamke wanakui. Après demain une série de garçons. Kesho yake nakuwa tena na bagarso wengine. Tu ne te rassure même pas de qui il s'agit. Na we muzazi aupima ta kuuliza huyu ni wa wapi. Commencer à pleurer après. Lakini kisha utaanza kulia.
Rappelez-vous de ce que nous avons lu avec le roi David. Mukumbukele tulisoma na mfalme Daudi. Le grand roi David. Mfalme mkubwa Daudi. L'homme de guerre. Huyu mtu alijua kazi ya vita. Alipiga wa Filisti. Sasa na plus marcher à la maison. Wakati maneno likuwa mbaya kunyumba. Son fils couche avec sa fille. Mtoto yake moya analala afanya msharati na mwingine. Son fils chiwe son fils. Katikati watoto yake mmoja na uwa bengine. Le grand roi s'est écroulé. Biblia inasema mfalme mkubwa akaanguka. Anaanza kuviringita mgulongo. Si vous ne pas aujourd'hui. Kama utasikia leo. Demain. Kesho. Il y aura des choses qui vont se passer chez vos enfants. Kuko bintu bitafikia batoto yako. Qui vont vous obliger de vous coucher au sol. Na bitakufanya utekala chini. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Josaphat a bien commencé. Yosafati alianza mzuri. Mais ces associations n'ont pas plu à Dieu. Burafiki bula ripenda kubamba. Haikumfurahishe Mungu. Et toi? Na wewe. Tu as bien commencé. Ulianza mzuri. Mais qui est ton ami? Sasa rafiki yako ni nani? Ce n'est pas parce qu'il y a une affaire de beaucoup d'argent qu'il faut s'associer à n'importe qui. Aina kusema hii biashara ni ya makuta mingi, unapenda sasa ukue rafiki na mtu yoyote. Tu vas hypothéquer la vie de tes enfants. Basi maisha ya batoto yako utaiuzisha. Nous on m'a dit que c'est une bonne affaire. Barinyambia sasa tukifanya tu biashara italeta pesa nyingi. Vous parlez, vous ne parlez pas d'affaires, vous parlez de business. C'est un bon business. Asa ni business mzuri sana. Tout ce qui brille n'est pas or. Ile yote nangala si zahabu. Qui est ton ami? Rafiki yako ni nani? Amen. Amen. Tu fais tes commerces avec qui? Uko nafanya biashara na nani? Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je rentre dans le Nouveau Testament. Narudia mwagano jipya. Je disais qu'il est possible. Nilisema inawezekana. De bien faire. Kufanya mzuri. De réussir. Kuweza. L'éducation de ses enfants, c'est possible. Maadibisho ya watoto inawezekana. Nouveau Testament. Agano jipya. 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 5. Timoteo wa pili sura yake ya kwanza mstari wa 5. Écoutez l'apôtre Paul, il parle du jeune homme Timothée. Musikie mtume Paulo anazungumza kuhusu kijana Timoteo. Je rends grâce à Dieu. Na mshukuru Mungu. Que mes ancêtres ont servi. Wale babu zangu walitumikia. Et que je sers avec une conscience pure. Na ule ni kunatumikia na zamiri enea. De ce que nuit et jour. Kila siku. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Miku na kukumbuka mu maombi yangu. Me rappelant tes larmes. Mina kumbuka. Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Na miku natamani kukuona ili nishikwe na furaha. Gardant le souvenir de la foi sincère. Kuchunga basi kumbukumbusho ya imani ya kweli. Amen. Amina. Amen. Amina. L'apôtre Paul dit. Mutume Paulo anasema. Qu'il garde le souvenir de la foi sincère. Na chunga kukumbusho ya imani ya kweli. Qui est en toi, mon fils Timothée, qui est en toi. Ilioka ndani yako, Timoteo. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Ilikuwa ndani ya kambo yako Loïs. Et dans ta mère Eunice. Na katika mama yako Eniki. J'en suis convaincu, habite aussi en toi. Najua kabisa ya kwamba iko ndani yako vile vile. Timothée n'est pas venu du néant. Timothée wa sikutoke mubure. Il est disciple de l'apôtre Paul. Yeye ni mfuasi ya mtume Paulo. Mais sa véritable foi. Lakini imani yake ya kweli. Sa véritable éducation vient de ses parents. Mafundisho yake natokea kubazazi yake. Sa grand-mère d'abord. Kambo yake mwanamuke. Et sa mère ensuite. Na mama yake tena. Parce que chez les parents. Kwa sababu kubazazi. Il y avait la vraie foi. Kulikuwa imani ya kweli. Et quelle est la vôtre? Sasa imani yako ni gani? Même la plus belle femme ne peut communiquer, ne peut transmettre que ce qu'elle a. Mwanamuke mrembo analetaka ile konayo. Comment tu voudrais que tes enfants soient bien éduqués alors que toi-même tu es bien mal éduqué? Namna gani unapenda batoto yako baadibishwe mzuri pale we mwenyewe uko mal éduqué? Tu voudrais que tes enfants aient une vraie foi mais la tienne est médiocre. Unapenda batoto yako bakuwe na imani mzuri lakini imani yako ni ya kupooza. Tu ne l'as pas. Auna tana ayo. Tu mélanges tout. Ukuna changa ni fujo tu. La maison de Dieu
byamudunia na byamukanisa ni kuchanga tu. Tu crois qu'avec ce comportement na unazani na ile tabia tes enfants ont la chance de réussir. Batoto yako wanaweza kuweza maisha. Tu les sacrifies. Unesha kubauzisha. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Amen. Amina. Pour que l'échec n'arrive pas dans la vie de nos enfants. Njuba toto bashishindwe kuishi mzuri. Il y a deux acteurs qui doivent interagir. Kuna makazi mbili napasha kufanika. Le premier acteur. Na mfanyakazi wa kwanza. C'est Dieu lui-même qui fait grâce. Ni Mungu analeta neema. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Mais attention. Sasa kebeni yange. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. A besoin d'une base. Inahitaji ya msingi. La vraie foi en Dieu. Imani ya kweli ndani ya Mungu. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. La première source. Chemchemu ya kwanza. En fait, le premier personnage qui doit intervenir. Mufanya kazi wa kwanza. C'est Dieu. Ni Mungu. Hier j'étais en train de vous dire. Jana nilikuwa namwambia. Moi et mon épouse. Mimi na mke wangu. Nous prions le Seigneur. Kila siku tu kunamuomba Bwana. Pour qu'il fasse réussir notre ministère de couple. Ili atusaidie tuweze mukazi ya kusaidia majosi. Je ne blague pas, je dis la vérité. Aina miza ni bya kweli ni kunasema. Nous sortons, nous laissons les enfants malgré l'insécurité, nous les laissons. Tunachaka batoto ata busiku. Nous nous retirons. Tunatoka 2 3 4 jours seul en brousse. Masiku mbili tatu au ine mpori. Ou dans un centre. Au nafasi moja ya wageni. Tukunaomba. Tukunaomba. Nous demandons l'orientation. Tunamuomba Bwana tuongoze. Nous voulons que le Seigneur nous fasse réussir dans notre ministère. Tunamusii Bwana tukabulie kuweza ndani ya huduma. Que le Seigneur nous fasse réussir la prédication qu'il a mis dans notre bouche. Mungu afanye mafundisho yetu ikuwe mzuri. Mais aussi nous le supplions. Na tena tunamusii. Qu'il nous fasse réussir avec nos enfants. Atusaidie tuweze kufundisha batoto. Hier j'étais en train de vous scandaliser. Na jana nili misutusha. J'ai dit ceci. Nilisema hivi. Si vous me demandez de choisir. Kama munanilomba nichakule. Réussir mon ministère. Kati ya kuweza butumishi. Réussir ma prédication. Kuweza mahubiri. Et réussir avec mes enfants. Na kuweza na batoto yangu. Vous me dites seulement trier un seul. Munanyambia chakula po kimoya. C'est fatal, je choisirai de réussir avec mes enfants. Mita chakula ni uweze na batoto yangu. Alléluia. Alléluia. Même si ça choque quelqu'un. Ata kama binakuma. C'est ça ma foi. Njo imani yangu. Et c'est ça ma conviction. Na ile njo hakikisho niko nayo. Je suis convaincu. Na hakikishwa. Je ne pourrais pas être. Siwezi. Un bon serviteur. Kuwa mtumishi mzuri. Si je ne connais pas bien gérer mes enfants. Kama mina shindwa. Si je ne connais pas bien gérer ma maison. Fundisha batoto yangu na nyumba yangu kuyalinda mzuri. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Amina. Amen. Amina. Il y a aussi nous les parents. Deuxième personne. Na tena mfanyakazi wa pili ni sisi wazazi. Nous les parents qui devrions faire quelque chose. Sisi wazazi tunapasha kufanya kazi. Faire quelque chose. Tunapasha kufanya kazi. Vous savez. Mnajua. Des fois les échecs arrivent dans la vie de nos enfants. Mara ningi batoto beko na shindwa. Parce qu'il y a des choses que nous devrions faire. Kwa sababu kuko kazi sisi wazazi tulipasha kufanya. Attends. Mbele ya wakati. Mais que nous n'avons pas fait. Lakini hatukuifanye. Il y a des choses que nous avons fait. Kuko bintu tulifanya. Mais nous les avons mal fait. Lakini tulifanya mubaya. Et ça contribue à l'échec de nos enfants. Na hiyo ilifanya batoto bashindwe. La grâce de Dieu est là. Neema ya Bwana iko. Mais votre façon de faire. Sasa namna yako kufanya kazi. N'est pas bonne. Haina mzuri. Nous allons y arriver. Tutafika hapo. Amen. Amina. Je vais y arriver. Mitafika hapo. Nous sommes dans une société. Tuko nafasi tunaishi na wengine. Mercantiliste. Ile ambaye inakuwa na mchango sana. Où les gens ne courent que vers l'argent. Watu wengi wanatafuta paka feza. Ils ont oublié la famille. Bana sababu jamaa. Nous travaillons. Tuko natumika. Parce qu'il y a une famille qui doit vivre. Tuko ku jamaa inapasha kula na kuishi. Alors si cette famille est en train de mourir. Sasa kama ile jamaa iko na kufa. Le travail servirait à quoi? Kazi kula na kimbiaka kila siku. Si maana ya kazi yake ni nini? Cette famille là est en train de rater le ciel. Na kama ile jamaa itakosa mbingu. Ça va servir à quoi? Ile makuto nendo tafuta takusaidia nini? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Nous avons les parents. Mnajua wazazi. Qui nous complique à tout moment.
Wazazi ambaye wako natumiza kichwa kila siku. Ce sont les maris qui compliquent leurs femmes. Sa zingine ni waume ambaye weko naumiza kichwa wanawake. Une femme m'a parlé. Mama moja aliniambia. Papa. Anasema baba. Ton fils ici. Mtoto yako huyu. Il croit que parce qu'il m'a acheté une voiture. Anazania vila naniuzia gari. Il m'a donné une belle chambre. Ananiletea chumba mzuri. Il m'a créé un compte en banque. Ananifanizia konti kwenye benki. Il croit que c'est terminé. Anazania sema naishia pale. Je vais lui prouver que je ne suis pas venu suivre ici les voitures. Mina pe tamonesha semi shiko kufata huko nyotoka. Je ne suis pas venu suivre les comptes en banque. Mishiko kufata huko bukweri ma compte en banque. Moi j'ai besoin de lui. Miniko besoin naye. Dès ce soir. Mangaribi. Je vais vider tout mon compte. Konti yangu yote natosha makuta. Mina weka mu compte yake. La voiture je vais la vendre. Na gari na uzisha. Je vais dans son compte. Mina weka mu compte yake. Je n'y dormirai plus. Na kitanda. Je vais aller à la boyerie. Sita lala kotenda kuboeri. J'ai besoin de lui. Miko na itakia ye. Umwambie. Un papa absent. Baba, ana ako kunyumu. Ah, vous savez. Mnajua. Si je m'accasse les nerfs. Kama pali unatumika nguvu sana. C'est pour vous donner une bonne vie. Ni njumu kwa na maisha mzuri. Quelque chose va se produire. Kuko mambo itafika. Tu vas te coucher au sol. Utalala, utaviringita mubulongo. Je reviendrai. Tarudia. Sur le pourquoi David a échoué. Na kusema njuu ya nini Daudi alishindwa. Je vais revenir sur pourquoi. Njuu ya nini tarudilia pale. Samuel a échoué. Njuu ya nini Samuel alishindwa. Et ça c'est pour demain. Na itakuwa kesho. Si vous ne venez pas demain. Kama utakuwa kesho. Vous avez raté le séminaire. Na pale unakosa semina. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Amen. Amina. Il y a des choses que nous faisons mal. Kuko bintu bila tunafanya mubaya. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Kuko bintu bila tufanye. Amen. Amina. Je voudrais vous rassurer. Napenda kuhakikisha. Des parents adjoints n'existent pas. Muzazi wa kukusaidia we muzazi akalakeko. Amen. Tunapatana. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que tunapatana mzuri? Les parents adjoints n'existent pas. Muzazi mwingine wa kukusaidia we muzazi akaana hako. Non que pour parents vous. Batoto yako wazazi ni paka mwenye. Même si vous me louez moi. Hata kama utanibeba sota nilipa kisha. Avec un salaire mirobolant. Na mshahara mzuri. Je ne prierai pas comme vous. Mishiwezi kuomba kama wewe. En faveur de vos enfants. Njuu ya batoto yako. Quand une mère prie pour son fils ou pour sa fille. Kama mama yako naombea mtoto yake mwanaume au mwanamke. Inatokaka muro. Mais moi je vais prier comme un mercenaire. Mimi nitaomba tu sa mtu anatafuta makuta. Nifike mumbe donner mon argent. Nifanye kazi yangu unilipe. Les parents où êtes-vous? Bazazi muko wapi? Vous cherchez l'argent. Muna tafuta makuta. 4, 5, 6 mois. Miezi tano sita. Les enfants ne vous voient pas. Batoto bakuonake. Ils ne connaissent même pas comment papa prie. Aba onaka baba yona kuya baba na mama. Ils n'ont jamais vu papa et maman à genoux jamais. Aba yonaka baba na mama wanatuanga magoti neva. Ils n'ont jamais vu papa et maman coucher au sol. Aba yonaka baba na mama wanalala chini. Pleurer devant Dieu. Beko na mulilia Mungu. Ils vont prendre quel modèle? Batachukua mfano gani? Alléluia. Alléluia. Ah non, ils vont réussir. Ah, bataweza. Comme cette femme médiocre qui me parlait. Sawa ule mwanamke mpumbafu alikuwa anasema nani. Elle a mis au monde avec un homme. Anazala mtoto na mwanaume moja. Elle met au monde encore avec un autre. Anenda tena kupata mimba ya mwanaume mwingine. Avec un troisième. Na mwanaume tena watatu. Voilà que parmi ses filles. Na katikati ya babinti wake. Une fille trop petite. Na binti mmoja mtoto. A une grossesse. Banamupa na ye mimba. Et le gaillard qui lui a foutu cette grossesse a fui. Na ule kiana alimupa mimba na kimbia. C'est donc que la maman dit. Na mama anasema batoto bana komeaka. Batoto bana komeaka. Ata kama bana na baba paka batakomea. Même si na pas de père il va grandir. Quelle qualité. Oui, ils vont grandir mais ce sera des enfants bandits. La chance de vos enfants c'est votre existence. Nema tu ya batoto yako ni uvile huko mzima. Mourez seulement vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Kufa tu. Bataokabria habari. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Amen. Amen. Lorsque un parent wakati muzazi ne joue pas correctement son rôle, asifanye kazi yake vile na stahili. Il y a des suppléants, kuna wasaidizi qui sont prêts à vous remplacer. Weko tayari kuchukua madaraka yako. Tente seulement de ne pas bien jouer. Pima tu kukosa kufanya vile nafai. Il y a des suppléants volontaires. Kuko bale basaidizi
C'est la rue. Ni balabala. C'est Facebook. Facebook. WhatsApp. WhatsApp. Quoi encore? Instagram. Citez-les. Telegram. TikTok. Ça évolue TikTok. Hein. Amen. Amen. Et puis, Canal Plus. Na Canal Plus. Je vais avertir les parents. Napenda ukebesha ange wazazi. Tous les dessins animés. Ma dessin animé yote. Tous les, surtout du style américain. Na ile inakuwa ku Disney TV. Disney, c'est ça. Ils y ont incorporé des petites notions de homosexualité. Mulendani muko tumafundisho ya homosexualité na mama jindani. C'est subtile, c'est difficile à voir. Ni kigumu ya wewe kuyaona. Nos enfants. Lakini batoto. Ils comprennent ça facilement. Beko na ikomprendre bien. Ce sont des cœurs innocents. Na bolo abo. Qui apprennent facilement. Batoto beko na difuza kwa wepesi. Na kesho. Va se retrouver en train de baiser son ami l'embrasser. Na atakuwa na kumbatia rafiki yake. Sans se rendre compte qu'il pêche. Bila kujua sema ni zambi. Pourquoi? Ndio ya nini? Disney. Ariona ku television. Mais papa absent. La ile sego naangalia baba nisha mwacha tu telekomanda shakwenda. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Sixième vérité fondamentale. Ukweli ya sita ya msingi. L'échec dans la vie des enfants. Kushindwa mu maisha ya watoto. Peut s'extérioriser de plusieurs manières. Inaweza kuonekana mumanamna mengi. Comment comprendre que namna gani kuelewa? Nos enfants sont sur la voie de l'échec. Ya kwamba batoto yako beko na shindwa. Premier indice. Kionesho ya kwanza. Trouble de comportement. Tabia yao inaarabika. L'enfant réagit. Mutoto anaza kujibu. L'enfant pose des actes violents. Anaza kufanya matendo ya nguvu nguvu. L'enfant vole. Mutoto anakuwa mwizi. L'enfant viole. Mutoto anakuwa basi na viole bengine. Ce sont des indices. Ni vionesho. Qui ne trompe pas. Ile ambaye aidangani. Deuxième indice. Kionesho kia pili. Le décrochage sur le plan scolaire. Mutoto kumasomo anaanza kushindwa. Il ne veut pas aller à l'école. Anakaanza kukatala kwenda kumasomo. Il commence à donner trop de raisons. Anaanza kuleta masababu mengi. Il ne veut pas étudier. Asipende tena kusoma. Même parents mal averti. Sasa muzazi wasio kuwa na akili. Et surtout s'il a la culture américaine et européenne. Na kama yeye anapenda kuchukua mautamaduni ya wazungu. Là où les enfants n'ont que des droits, ils n'ont pas de devoirs. Na mwile mainchi batoto banakuwa tu na mashurti, banakuwa na ma... Les enfants na maaki. Batoto bafalme. On ne peut pas gronder. Abawezi kubafokea. On ne peut pas leur imposer des choses. Awezi kumkazisha kitu. Non, tu es libre. Uko uru. C'est ta liberté. Uko uni, katika uru wako. Chez moi, il n'y a pas de liberté comme ça. Kwangu mie, uru ya vila ikala keko. Tu veux vivre chez moi, tu suis mes principes à moi. Ukingariki kwangu, unafuata makanuni même yangu. Même les enfants que j'ai déplacés. Na batoto bale nitipicha kupeleka fazi ingine. Est-ce que Lydie est là? Lydie est là. Uko hapo? Quand il quitte la maison pour aller dans la résidence qui est à côté de la polytechnique. Kama anatoka kwangu anenda kungamba polytechnique kule bonekala. Avec toute son équipe. Na barafiki yake na bale bengine. Je les accompagne. Mimi naenda naye. Je suis là. Mimi nafika. Écoutez les amis. Munisikie. Même ici. Ata hapa. C'est chez moi. Ni kwangu. Et d'ailleurs je prends mes précautions. Na mina beba madaraka. Pour prendre mes photos en grand. Na mina beba ma photo ya mnene. C'est collé au mur. Ma photo yangu ya minene na iweka mshambre. Mon esprit plane partout. Roho yangu iko natembea fazi yote hapa. Alléluia. Alléluia. Ici c'est chez moi. Hapa ni kwangu. Ne pensez pas parce que je vous ai éloigné. Musizanie vile mliko mbali. Vous êtes libre de faire ce que vous munakuwa na uhuru ya kufanya kanya. Amen. Amen. Et de temps en temps je passe. Na kila mara ni wakati kidogo napita. À des moments différents. Mu wakati achana achana. Le matin. Asubuhi. À midi. Mchana, la nuit. Nabusiku. 20h, je suis là. 20h, mina pita. Mais je trouve une personne n'est pas encore rentrée. Mina kuta moya si arudia. Si t'arudia, utanikuta. Tu vas me retrouver, je ne rentre pas chez moi à la maison. Tu vas m'expliquer tu étais où. Unapasha kunyambia ulikuwa wapi, unaanza kufanya nini. Alléluia. Alléluia. Mais certains parents.
Lakini bazazi wengine. Vous êtes universitaire. Asema nini mnakuwa watoto wa masomo ya juu mko uhuru. Des choses vont arriver. Mambo itafika. Tu es obligé de te coucher au sol. Na itakusukuma tekala chini. Alléluia. Alléluia. Absence de progrès, deuxième, troisième forme. Absence de progrès. Kionyesho cha tatu kukosa maendeleo. Dans la vie de l'enfant. Mumaisha ya mtoto. L'enfant n'arrive pas à être autonome. Mutoto anashindwa ku progresse pas. Kuendelea mwenyewe. 30 ans, 40 ans, il est toujours avec les parents. Miaka makumi tatu, makumi ine, eko paka pembeni ya bazazi. Education. Ni kushindwa. Comment il ne peut pas être capable de se débrouiller? Namna gani mwile miaka atashindwa kujisaidia? Les études nous avons payé. Masomo tunamfundisha. Diplôme tu as. Diploma na pata. La barbe que j'ai, toi tu l'as aussi. Na ndevu yangu mie muzazi we mtoto nakuwa nayo. Les cheveux blancs que moi j'ai commencé à avoir, toi tu en as aussi. Na hata imvu inaanza na kukutoka. Qu'est-ce qui te manque? Ni nini nakukosa? Le Dieu qui m'a conduit, c'est le même que je t'ai enseigné. Ule Mungu aliniongoza ni ule nilikufundisha. Pourquoi tu ne connais pas trouver même une lotion? C'est ça. Na mafuta kuipaka la bandu kupaka mie tena nikuzie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Amen. Amina. Il me reste 10 minutes, merci. Asante. Amen. Une autre forme d'échec, comment savoir qu'il y a échec? Kionesho kingine cha kushindwa. Des accidents qui arrivent. Mamisiba iko nafika. Comme des grossesses trop prématurées. Kwa mfano mtoto anapata mimba lakini iko mtoto. 13, 14, 15, 16 ans. Eko na miaka umri 14, 15 au 16. C'est une forme d'échec. Anapata mimba chini kushindwa kule. La toxicomanie. Mtoto anapenda pombe. L'alcoolisme. Anapenda bange. Adhésion à des maisons mystiques. Na mtoto anapenda kubamba malawa. C'est de l'échec. Ni kushindwa. Ne négligez pas de tels indices. Usizarau hiyo maneno wakati unaiona mbatoto yako. Septième vérité et enfin. Ukweli ya saba na ya mwisho. Septième vérité. Ukweli ya saba. L'échec avec les enfants. Kushindwa mkufundisha batoto. N'est pas seulement dû aux parents. Aina tu kosa ya wazazi. Il y a d'autres raisons qui peuvent intervenir. Kuko masababu ingine naweza kuongezeka. Et quelles sont ces raisons? Na ile masababu ni masababu gani? Première raison. Ya kwanza. Les parents peuvent avoir bien joué le rôle. Muzazi anaweza kufundisha mtoto vile inastahili. Mais les enfants eux-mêmes. Lakini batoto bo wenyewe. On choisit de rejeter l'enseignement des parents. Banachukua mpango ya kuzarau mafundisho ya wazazi. Il y a des enfants qui sont comme ça. Kuko batoto ba hivi. Les parents se sont cassés à mille morceaux. Baba yake anafanya byote. Amen. Amen. Mais les enfants lakini batoto choisissent la rébellion. Batomboke tu. Proverbe chapitre 1 verset 8. Mezali sura yake ya kwanza mstari wa 8. Un père donne le conseil suivant à son fils. Baba moja analeta mashauri kwa mtoto yake. Écoute mon fils. Sikia mwana wangu. L'instruction de ton père. Mafundisho ya baba yako. Et ne rejette pas. Na usizarau. L'enseignement de ta mère. Mafundisho ya mama yako. Mon fils, écoute. Mwana wangu sikia. L'instruction de ton père. Mafundisho ya baba yako. Ne rejette pas. Na usiache. L'enseignement de ta mère. Sheria na mafundisho ya mama yako. Deuxième raison. Sababu ya pili. Qui peuvent expliquer les échecs qui arrivent. Inaweza kusababisha kushindwa kwa watoto. Les mauvaises rencontres. Ma urafiki mubaya. Des fois nous n'avons aucune idée. Mara nyingi aujue. Des petites rencontres. Kukutanana kwa batoto yako. Que font vos enfants. Na bantu bengine. À l'école. Kumasomo. Sur la rue. Munjia. Sur Facebook. Kwenye mitandao ya Facebook. Qui peuvent radicalement changer votre enfant. Inaweza kubadirisha. Des toutes petites rencontres. Ma kukutanana tu kidogo. Une mère ici à Lubumbashi a parlé. Mama moja hapa Mlubumbashi alisema. Sa fille. Mtoto yake mwanamuke. Qui n'a que 10, 11, 12 ans.
Anakuwa na miaka kumi yao makumi mbili. A fait une petite rencontre à l'école avec son ami. Alikutanana na rafiki yake kumasomo. Qui lui a dit mon ami. Asema yeye rafiki yangu. Mais comment toi? Sasa namna gani wewe? Mimi acheter seulement les loli ici tu n'as pas d'argent. Kuza tu loli ya 50 francs ukalege paka na makuta. Viens, je vais te dire un petit secret. Kuya mitakwambia kasiri. Nous allons voir une mère. Tutenda kuona mama moja. Il va te dire ce que tu vas faire. Atakwambia bila utafanya. Cette fille a rencontré cette femme mauvaise. Huyu mwanamke anakutana na rafiki yake mubaya. Qui l'a mis en contact avec les hommes. Anamupeleka kubanaume. Les hommes ont commencé à coucher avec elle. Na banaume banaanza kufanya usharati naye. Et on lui donnait beaucoup d'argent. Beko namupa makuta ya mingi. En plus de ce que les hommes donnent. Na zaidi ya ile banaume beko namuletea. Cette femme lui paye aussi de l'argent. Na ule mama tena kunampa makuta. 27 000 francs mtoto wa 10 ans, wa 11 ans. Kila mais la kila fille a commencé à avoir des choses que les parents n'achètent pas. Na mtoto anaanza kuwa kunyumba na bintu bile bazazi ya bauza. Voilà qu'un jour la maman devait aller à l'église. Na siku moja mama alikuwa anaenda kukanisa. Elle a oublié quelque chose. Alisahabu kitu kunyumba. Vite. Mukurudia. Mais elle trouve sa fille dans la chambre. Anakuta mtoto yake mchumba ya kulala. Toute nue. Pasipo mangua. Téléphone allumé. Na simu ama telefona anesha wakisha. Elle fait le quoi? Vous appelez ça quoi encore? Selfie. Le selfie, c'est quoi? Selfie. Et on a ribamba ma photo. Mais elle a entendu seulement cette fille parler. Anasikia tu ule mtoto wake mwanamke anasema. Elle est joyeuse. Anesha kuna furaha yote. Maman dit mais qu'est-ce qui se passe? Mama anasema nini kunafanyika? Elle parle avec qui? Eko na sumburia na nani? Il est brutalement à la porte. Wakati anasukuma kwa nguvu mlango. Sa fille toute nue. Anakuta mtoto yake mwanamke bila mangu. Il est en train de converser avec un homme. Na beko na ongea na mwanaume. L'homme de l'autre côté est nu. Na mwanaume kule ngambo na yeye ana na mangu. Sa fille aussi est nue. Na mtoto yake mwanamke na yeye pasho mangu. Il parle. Beko na sumburi. Il se regarde. Beko na riangaria. La maman a fondu comme un aigle. Mama analia kama tai. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Des petites rencontres. Mamukutano kidogo. Peuvent détruire ce que vous avez semé pendant des années. Inaweza kuharabisha mafundisho kubwa mulileta miaka mengi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amina. Certes. Ndio. Nous ne pouvons pas accompagner nos enfants partout. Atuwezi kupeleka watoto wetu fazi yote. Nous pouvons pas aller avec eux partout. Atuwezi kwenda nabo fazi yote. Nos prières peuvent les accompagner. Lakini maombi yetu inaweza kuwasindikiza. Parents, eni wazazi, priez pour vos enfants. Muwaombee watoto. Toi, tu ne prie pas. Sasa wewe auwaombe yake. Chaque soir, kila mangaribi, priez pour eux. Muwaombee. Plusieurs fois il m'est arrivé. Mara nyingi lifika. Je les appelle tous. Mina baita bote. Mettez-vous devant moi. Mwikale mbele yangu. Posez les mains. Mina wekea mikono. Plusieurs fois, ils ne savent même pas pourquoi j'ai pris. Na mara nyingi bayu wake njua nini niku na baombea. Dernièrement même sa maman dit toi aussi viens. Na masiku wa mkongo na mama na yeye na wewe twanga magochi. J'ai prié. Naomba. Prie. Naomba. Prie. Nous allons au lit mes chéris. Kukitanda jona niliza sheri. Leo unaomba vya kwa chana ima siku ingine. Iyave kwa. Ni nini uriona? Eji je fe mauvais rêve. Naza miri lota mbaya. Et toi quand tu fais mauvais rêve, tu fais quoi? Sasa weko na lota mbaya unafaga nini? Amen. Amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Troisième raison. Sababu ya tatu. Le plan et le projet du diable. Matengenezo ya shetani. Le diable a un plan contre nos enfants. Shetani yego na matengenezo mubaya njuu ya batoto yetu. Voilà pourquoi papa lié 20. Ndio kwa maana papa lié 20. Notre séminaire doit être un séminaire de prière pour nos enfants. Semina yetu napasha kwa semina ya kuombea batoto. Le diable a un plan. Maana shetani yego na matengenezo. Si vous n'avez pas de plan. Kama wewe hauna na matengenezo. Le diable et les démons conçoivent des plans. Shetani na mandemo na beko nekala na kuwaza. Les sorciers conçoivent des plans contre vos enfants. Balozi na bachawi beko nekala kuwazia bibaya batoto yako. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Wa Korinto wa pili sura yake ya pili mstari wa 11. L'apôtre Paul va dire. Mtume Paulo atasema. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Tusimwachie shetani faida. Je reprends.
Narudia. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ili tusimwatie shetani faida juu yetu. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Maana hatuwezi kusahabu matengenezo yake. Amen. Amina. Je termine ce soir. Mina maliza par un petit exemple. Na mfano moja. Le protocole. Donnez-moi une minute, je termine avec un petit exemple. Je ne sais même pas si mes 10 minutes là, je les ai déjà consommées, je ne connais pas, je ne compte pas. Qui connaît le révérend Yongi Show? Nani anajua mheshimiwa Yongi Show? Vous le connaissez? Mnamjua? Yongi Show. Yongi Show. Les années 1991-1993. Mwaka 1991-93. Yongi Show donne un témoignage blessant. Yongi Show analeta ushuhuda inaumiza. Il va en Amérique. Anaenda kwenye Amerika. Il doit apporter l'évangile. Ili akupasha habari njema. Il fait campagne d'évangélisation. Anapasha habari njema. Et lui-même témoigne. Na yeye mwenyewe anafasiria. Il a passé 2 ans et demi. Anasema alipitisha miaka 2 na nusu. Le plus difficile de son ministère. Ya nguvu sana mubutumishi bwake. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini lipitika kule Marekani? Son fils. Mtoto yake mwanaume ule alikomea ku masomo ya Jumapili, ule ambaye alikuwa na mwalimu wa masomo ya Jumapili, a abandonné la foi, anacha imani, non pas seulement il a abandonné l'église, anacha kanisa, mais aussi ne voulait même pas entendre parler de Dieu, na tena alikatala kusikia maneno ya Mungu. Il a rejoint un groupe, yeye alienda kuungana na kikundi kimoja rock and roll. Et il a commencé à être une star comme tous les autres stars. Na anapenda kuwa star kama wengine. Il a commencé à se coiffer le style qu'on appelle banane. Anaanza kukatisha nywele hizi ile ya banane. Tous les cheveux sont levés de part et d'autre. Banatosha nywele ngambo na ngambo. On laisse seulement au milieu là-bas. Banacha tu paka kakipanda pakati. Il y avait un cachère qui faisait s'il est encore vivant, je ne connais pas. Edingwe. Il est encore vivant? Oui, il est encore vivant. Voilà. Il y avait un cachère qui faisait comme ça. Kulikuwa kachere mwana yale. Alors ce jeune homme, ule kiana, au lieu de porter comme tous les enfants normaux, pahali ya kuvala kama batoto il s'est fait coudre des jaquettes en cuir. Yeye banamufanizia majaquette ya ngozi. Avec des poches partout. Na mifuko fazi yote. Des ouvertures de toutes sortes. Na inapasuka pasuka fazi voilà yote. Voilà que Yongi Show arrive dans cette ville. Na Yongi Show anafika muile mouti. Ils font des affiches pour annoncer la campagne. Banawe. Kama afisi njuu ya kazi ya injili. Mais ça coïncide très mal. Lakini inapatana. Les affiches de Yongi Show sont à droite de l'avenue. Ma affiche ya Yongi Show iko kushoto. Les affiches de son fils aussi sont à gauche qui annoncent son concert. Na mtoto yake na yeye iko kushoto inaonesha siku atafanya muziki. Yongi Show commence sa campagne. Yongi Show anaanza kutangaza habari njema. Il annonce l'évangile. Eko yatangaza habari njema. Voilà un homme ivre. Sasa tazama mtu mule. S'approche de lui. Anamukaribia. Avec la liberté ou le libertinage américain. Na ile uhuru ya kumarekani. Et lui dit Yongi Show. Na anamwambia Yongi Show. Va prêcher d'abord ton fils. Anza kwanza kumuhubiri mtoto yako. Tu viendras nous prêcher après. Na kisha utakuwa kutuhubiri. Allez, fous-moi le camp. Basi unitoke kule. Quelle humiliation. Basi alichushwa heshima mu aina gani. Quelle gravité. Na yeye aliumizwa sana. Que Dieu nous bénisse, c'est pour demain. Mungu atubariki, tutaendelesha kesho. Le véritable Dieu.